old balloon. Salut les amis, c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Press Start Button avec cette fois-ci un jeu sur Game Boy Advance, un jeu de Acclaim. Il s'agit de ATV Quad Power Racing, donc un jeu de course de quad. Et le mode arcade, le mode défi et les options. Dans les options, il n'y a que les options sonores. Voyez, musique, effet, unité, on peut mettre kilomètre heure, hop. Voilà, on va lancer le mode arcade. Et on va aller au premier, donc la base. Avec le seul véhicule qu'on a pour le moment. Le quad. Voilà, on va mettre piège de sable, on a que celui-là pour le moment, on va mettre en un tour, on peut choisir jusqu'à 5 tours. On va mettre un tour, c'est déjà bien. Donc ici, j'y joue via ma Retrobox 2 Tera, mais le jeu est également disponible sur les consoles Pi de chez Boutique Retro Gaming. Voilà, donc si vous voulez aller faire un petit tour sur la boutique, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Si vous voulez vous acheter ou offrir une console Pi, une SPI, une Mega Pi, une Super Pi, ou vous en offrir une, il y a du choix avec plusieurs capacités de stockage différentes. Donc il y en a pour tous les prix. Voilà, donc on est 7ème. Les petits blocs sur la route, c'est des genres de petits boosts. Donc ici, ça nous améliore un peu. Si on se plante pas, évidemment, l'accélération, on a un petit boost de quelques secondes, mais on peut choper d'autres bonus. Voilà. Par contre, là, je l'ai pas chopé. Allez, on monte à la 5ème place. Ici, on a, je pense que c'est du, allez, du, comment dire, je reviens plus sur le mot. Là encore un boost. L'autre c'était pour la carrosserie, pour pas qu'elle se casse à mon avis, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Allez, on est premier. Il y a également des boosts pour sauter plus haut. Voilà, on a fini premier. On va enchaîner avec la course suivante. J'ai fait rejouer là ou quoi? À mon avis, j'ai appuyé trop vite. Bon, on va la refaire, tiens. C'est pas grave. Regardez-moi ces petits grains de sable tout pixelisés. Mais franchement, la Game Boy Advance, elle en avait dans le ventre à cette petite machine. Parce qu'ils ont quand même sorti quelques petits jeux en 3D, je vais dire, qui sont pas vilains. Moi, je suis content d'encore avoir, j'ai plus la mienne d'époque, mais j'en avais racheté une il y a un moment et j'aimerais bien me rechoper une Game Boy Advance SP en boîte. Parce que sur les SP, l'écran était rétro-éclairé, tandis que sur les Game Boy Advance de base, non. C'est toujours mieux quand l'écran est rétro-éclairé. Mais bon, ici, on peut redécouvrir toutes ces... Là, on fait des bonds plus haut avec le bloc grenouille, la punaise, on dérape. Hein. On peut redécouvrir toutes ces petites perles de l'époque grâce aux
super machine là de la boutique Retro Gaming, donc ça, ça fait super plaisir. En plus, ça me permet aussi de vous partager les jeux en vidéo, parce que via la Game Boy Advance, pour capturer, c'est pas évident. Ou alors il faut filmer avec le smartphone, mais évidemment en qualité, ça va pas être top. Tandis qu'ici, franchement, ça donne super bien. Allez, on est premier de nouveau. Espérons qu'on va pas appuyer trop vite ici. Je vais attendre. Alors, rejouer ou quitter? Course terminée, ben on va pas faire rejouer, hein, on va quitter. Et alors? Et comment est-ce qu'on débloque les autres circuits là, mon petit lapin? Je comprends pas. Faut les débloquer dans les défis peut-être. On va voir. Arrivé troisième position. Appuyez sur le bouton A. Peut-être que s'il faut le faire par le mode. Pardon, peut-être qu'il faut le faire via le mode défi avant de les faire en arcade. On va voir ça. Je découvre en même temps que vous. Hein. Alors, la grenouille. Du coup, on a deux tours. Alors foncez dedans, ça nous pénalise nous. Il me semble que c'est un peu plus difficile là, quand même, parce que j'ai fait un tour et je suis cinquième. Tantôt dans l'autre mode arcade, j'étais premier après un tour, donc... Allez, on espère être au moins troisième pour voir si on peut avancer dans ce jeu. Si t'arrêtes pas de me coller... Alors on en a encore un à dépasser. Il n'est plus très loin. Ben non, c'est aussi un boost le truc là que j'ai eu. Ouh là 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 là. Ah ben on voit déjà le prochain là-bas devant. Allez, on va peut-être passer en deuxième position. Et le premier là-bas. Pas le cogner. Ah ben. Yes, on est premier. On a géré. On est des pros.
Ah ben là, on peut faire continuer par contre. Tu as débloqué le défi 2, cool. Ah ben voilà. Et on a des mots de passe, donc ce qui est pas mal également pour pouvoir recommencer, enfin continuer la partie par après si on quitte le jeu. Enfin ça, c'est sur la Game Boy Advance d'origine. Ici, évidemment, avec les sauvegardes automatiques, enfin les sauvegardes manuelles qu'on peut faire soi-même, c'est pareil. Voilà. Vous avez fait d'ailleurs une vidéo, je pense, tuto pour comment sauvegarder. Allez, défi 2. Encore être troisième comme objectif. Une course dans les bois. Franchement, c'est joli, hein, la 3D, je trouve. Vous allez peut-être rire en entendant dire ça, mais pour l'époque, je trouve que c'était super bien fait. Et pour une petite machine comme la Game Boy Advance, chapeau. Enfin, c'était quand même une 32 bits, hein. Mais bon, c'est aussi une petite portable. Oh là 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 là. Allez, on entame le deuxième tour et on est quatrième. Oh là là, les bons qu'on fait. Allez, on est troisième, donc là c'est bon. L'objectif est rempli si on ne se plante pas d'ici l'arrivée, bien sûr. Passe en première position. Espérons qu'on le reste, normalement, oui. Et voilà. Yes. On peut continuer. Et on arrive au défi 3. Où est-ce qu'on va aller? Encore un autre décor. Dans les montagnes, apparemment. Plus dur de les dépasser ici. Allez, 8e, 7e, pardon. Je voulais dire que je pensais dans ma tête, parce que je pense pas dans la tête du voisin non plus, que je venais de dépasser le 8e, c'est pour ça que je vous ai dit. Ah, voilà, 8e. Allez, on passe en 6e position. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Ce que vous pensez en général également de la Game Boy Advance. Quel est votre jeu ou vos jeux préférés sur Game Boy Advance?
Moi, à l'époque, je n'en avais pas eu beaucoup encore. J'avais eu le Wario Land. Je pense que c'était Wario Land 3, je sais plus. Il était excellent, j'adorais. Oh, Dieu. Ici récemment, j'ai reçu de l'ami Robert Drive et de son frère comme cadeau de Noël. Enfin, ils m'ont offert trois jeux, dont un jeu Game Boy Advance, le Sonic Advance 3. Oh! À la chute. Il y a quand même la petite animation hein, qu'il remonte dessus. Bon là, ça va être dur de terminer troisième du coup. Ouf, si je me prends un tronc. Si on pouvait, s'il vous plaît, être au moins troisième pour pas la recommencer. Allez, fonce, fonce. Troisième, c'est dur hein, de la dépasser quand même. Oh, c'est juste toi là, on a rempli le défi. Enfin, on a rempli l'objectif, pardon. C'était un peu plus chaud boulette ici. On a débloqué le défi 4. Dans les prairies. Allez, c'est parti les amis, on y va. Prairies, les collines quoi. Oulet. Ah franchement, il est excellent, j'aime bien. Comme quoi, il n'y a pas que les jeux récents, quoi. Il n'y a pas que la PlayStation 4, la Switch, l'Xbox One. Les jeux rétro, je crois que c'est indémodable. Enfin, il y aura bien un jour où la PS4, l'Xbox One et la Switch seront également des consoles rétro. Et oui. Allez, on est sixième. Toujours le premier tour. On va peut-être passer cinquième. Ouais. Oufti, quel bon. Il est vraiment. Joe est vraiment phénoménal. Ouais, je sais, je me la pète, mais. Voilà, c'est ma vidéo, donc je peux me la péter. Ena d'abord. Faut rire hein, les amis, faut rire. Allez, quatrième. On va probablement passer troisième. À moins qu'on croise la route d'une galinette cendrée qui nous fasse glisser, déraper et finir dans les brêles. Oh, c'est excellent, franchement la maniabilité elle est bonne. Enfin là je joue avec l'analogique. Allez, 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 juste avant l'arrivée, là on le dépasse. Yeah. Allez, on a débloqué le défi 5. On continue. Hein. Il y en a combien de défis ici? 1, 2, 3.
3. Encore 3 après. Donc 8 apparemment. Allez, c'est parti. Allez, est-ce qu'on va être septième? On va passer septième. Ah, il se laisse pas faire, hein. Il se laisse pas. Voilà, voilà. C'est sans compter sur mes talents de pilote. Oh là 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 là, je me suis pris un buisson. Ah, d'accord, un petit boost. Peut-être passer quatrième si je me prends pas le rocher ou la souche, enfin le tronc d'arbre. Yes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, le troisième est devant nous. Et le troisième derrière nous. Enfin. Maintenant c'est le troisième, c'est nous. Le troisième est passé quatrième, c'est ce que je voulais dire. Comment ça se fait que le troisième est derrière toi, Joe, si t'es troisième? Allez, allez. Oh putain, encore à la même place que tantôt, je pense. Faut pas qu'on reperde la place. Oh bah non. Oh là 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 là. Et je suis encore troisième. Là c'est la chance totale quoi. Je pensais que du coup il m'avait dépassé l'autre. Ah ben on a eu de la chance sur ce coup là. Je pensais bien que j'allais finir quatrième. Allez, on a débloqué le défi 6. Dans la niche. Ça va glisser, ça va drifter. Allez, allez. Ah, c'est joli aussi, hein, comme les tons, les couleurs, tout. Franchement, super joli, ce jeu. Et si je ne dis pas de bêtises, parce que là le son de la TV est au minimum pour pas que ça fasse écho dans la vidéo. Si je ne dis pas de bêtises, le son des pneus n'est pas le même selon le revêtement du sol. Ici il me semble qu'on entend un peu le craquement là quand on est dans la neige, je sais pas. Bon, c'est une impression, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas le même que... Oh, là j'étais... Heureusement j'allais pas vite aller, mais réaccélère. Ouh là là, à mon avis on ira pas beaucoup plus loin. Ça glisse, c'est atroce. Enfin c'est atroce, non, c'est normal. Mais waouh. Allez, deuxième tour et on est toujours septième. Oh le nom, ça c'est exagéré quand même.
Il y a des jeux qui a des bugs, tu peux passer à travers les panneaux et tout. Là, tu le touches quoi. Il n'y a pas de nom, on va peut-être passer. Non, si tu touches le panneau, tu te plantes. Je pensais que j'allais pas m'en sortir de cette glissade. Et on est remonté quatrième, mais ça suffira pas. Bah, la ligne d'arrivée est là, donc. Aïe 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 aïe. Malheureusement. Défi raté. Allez, on réessaye. Et si on le rate cette fois-ci, ben on arrêtera là pour cette vidéo, les amis. Si on l'a réussi, ben on continuera. J'essaye d'utiliser un peu plus le frein avant les virages pour mieux les prendre et pas trop glisser. Allez, deuxième tour. Quatrième. Allez non! Yes, 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 yes! On aurait pu être deuxième, mais franchement. C'est déjà ça. Allez, on va pouvoir découvrir le défi numéro 7. Le septième tracé. Septième circuit. Ça glisse moins, mais il y a beaucoup de virages avec des pentes, des bosses et tout. C'est pas évident. Oh purée.
Ben, il est long ce circuit, hein. Enfin, au rythme où je le dépasse, il vaut mieux qu'il soit le plus long possible pour avoir plus de chance. À mon avis, ça va être là l'arrivée, ouais. Allez, deuxième tour, et on est que sixième. Allez, mais remonte. C'est pas évident une fois qu'on est contre un panneau de se... Faut bien faire, j'aurais dû faire marche arrière. Oh bah non, c'est l'autre, il me fout dans le truc en plus. J'aurais dû refaire marche arrière, ça aurait été, je pense, plus simple. Eh punaise, cinquième. Alors on va la retenter une dernière fois. Ça passe ou ça casse. Normalement il faut essayer de prendre un maximum de bonus, le boost aussi. Mais c'est pas toujours évident. Oh. À mon avis, les amis, on ne verra pas le prochain circuit. Elle a encore un tour, mais c'est hard. À chaque fois dans ce virage-là, il faut que je me plante. Oh punaise, allez, allez, c'était presque quoi.
Ça y était presque. Voilà, ben je vous propose qu'on en reste là pour cette petite vidéo, cet épisode Prestart Button. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter, partager. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao. Et n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur la boutique Retro Gaming. Ciao, ciao.